comme tout à l'heure, j'ai essayé de faire un compte-rendu visuel de ce que j'ai, de ce que j'ai compris. Alors, je vais essayer de zoomer. Ah non. Ah, mince. Comment je fais ? Bon, désolée. Ah, c'est pas ça du tout. Je recommence. Je recommence à zéro. Voilà. Hop. Donc, ah oui, c'est pas ça. Donc, si je zoome là, comme ça, non, je veux pas. Voilà. Alors, du coup, sur le petit propos introductif, en fait, on sent déjà dès le départ qu'il y a ce fameux contexte paradoxal que vous faites ressortir à la fin de votre présentation. Mais déjà là, on a cet ensemble de lois qui dit vous devez lutter contre les discriminations. Toutes, même l'homophobie, parce qu'en fait, on sent que là, il y a une sorte de... par où s'y prendre. Enfin, c'est ce que j'ai retenu en principale idée. Donc, voilà, un peu comme tout à l'heure, on voit que la lutte contre l'homophobie à l'école s'inscrit dans une durée quand même assez récente aussi, en 1987. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des éléments en fait du contexte politique et sociétal qui viennent s'inscrire en fait dans cette préoccupation qui petit à petit alimente aussi la vision de l'institution par rapport à cet enjeu. Dans ce que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, tout ça s'inscrit dans un contexte social, avec des normes sociales où il y a une hégémonie hétérosexuelle. On voit bien ici, j'ai dessiné rapidement deux personnages. On aurait pu imaginer donc un homme et une femme qui s'aiment et donc qui sont sur le sommet d'une colline. Et puis toute personne qui dévie de cette montagne, de cette norme, se retrouve isolée, parfois homosexualisée. Et en fait, on voit bien ici une espèce de rupture. Et donc, j'imaginais après, alors, je sais pas, j'ai entendu dans vos propos un peu cette situation. Ok, donc je vois le tableau, voilà, c'est un peu ça le tableau, quoi. En gros, si on n'est pas dans la norme, on est un peu, on est isolé, on est déviant. Maintenant, comment je fais pour concrètement partager ça et lutter contre cet écart dans ma classe, quoi. C'est, voilà ce que je retiens un peu de la question, c'est comme ça que j'ai traduite. Donc, après, vous avez parlé des repères méthodologiques. Donc là, c'est des choses que je ne maîtrise pas particulièrement. Bon, j'imagine juste un groupe de personnes qui discutent. Et voilà les résultats. Alors, les résultats principaux, c'est d'un côté, on voit un enseignant qui cache une sorte de gros tabou, mais qui est énorme et qui est presque comme une pépite qui illumine. Et puis en face, les parents, avec leur jugement. Et donc la question que se pose, alors j'ai résumé ça comme ça, alors comment m'y prendre pour ne pas faire de propagande pour l'amour ? En fait, j'ai mélangé plein de choses, en fin de compte, c'est, en fait, il s'agit de parler d'amour, mais bon, en fait, si je fais ça, j'ai mélangé un peu tous les mots qui sont ressortis et ça m'a donné une espèce de question comme ça qui n'a pas vraiment de sens. On ressortent quatre positionnements. L'évitement, donc on imagine cette flèche qui essaye d'éviter de contourner le problème ou l'enjeu avec un peu, vous savez, les singes qui se cachent les yeux, la bouche, les oreilles. Donc là, j'imaginais quelqu'un qui a peur du conflit, qui essaye de minorer les choses et qui aussi a qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça? Il y a aussi cette vision de cette pression sociale qui fait qu'elle se protège en quelque sorte. Une deuxième personne qui est plus dans la sensibilisation, donc plus dans la parole, mais qui n'agit pas forcément. Le positionnement opératoire préventif, où là on voit bien des étapes, un peu comme un parcours, avec des actions pédagogiques très institutionnalisées, ou l'oralité aussi très présente, mais un peu de façon très formelle. Et puis après, le positionnement opératoire instrumenté, où là, ça s'inscrit dans toutes les actions, il y a une vraie philosophie, et puis vous disiez, certains font du coup appel à des alliés pour cerner, en fait, cerner l'enjeu, quoi. Toutes les flèches se dirigent vers le même endroit.
Donc, dans les éléments de discussion, j'ai retenu juste deux choses. D'une part, bah, c'est des actions franches. En fait, le discours qui est porté, enfin, la représentation, elle désexualise l'homophobie. Enfin, j'aurais pu mettre bon, bah, ça, c'est un truc et ça, c'est autre chose, mais on ne mélange pas tout. Et à l'inverse, bah, là, on voit la situation hein, de ce fameux contexte paradoxal où l'enseignant en stagiaire est en fait est cerné d'une part par des prescriptions peu opératoires, vous voyez la flèche qui va vers lui, et d'autre part les actions bricolées, voilà, qu'il fait comme il peut, et qu'en fin de compte, tout ça, ça crée une sorte de gros sac de nœuds, là, l'entremêlement négatif, qui finalement finit par en fait, avoir l'effet contraire à ce qui est envisagé. Donc voilà sur ce que j'ai retenu de la conférence. Hop.